Bonjour chers étudiants, la séance d'aujourd'hui va porter sur le droit spécial des sociétés. Ce droit qui étudie dans les détails les sociétés qui existent sur les scènes juridiques. Notre étude sera focalisée sur la société anonyme. C'est la société la plus connue, elle est la plus répartie dans le monde des affaires et surtout pour les grands projets. Cette société, elle est régie par la loi 1795, c'est le type même des sociétés de capitaux. Rappelez-vous de la distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. La société anonyme est l'exemple, c'est le modèle des sociétés de capitaux. Elle est commerciale par la forme, c'est dire que la loi n'exige pas la commercialité des associés. C'est une société de capitaux par excellence, son capital est divisé en actions. Avec la société anonyme, on ne parle plus de part sociale des sociétés de personnes, mais on parle d'actions et d'actionnaires. La responsabilité de ces associés, elle est limitée à leurs apports. La cession des titres, elle est libre. Aussi, la qualité des actionnaires n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que c'est le capital qui compte dans ce genre de société. Dans une première séquence, on va voir le fonctionnement de la société anonyme. Ce fonctionnement, il sera étudié selon les trois points suivants qui sont la constitution, la gestion et le contrôle de la société anonyme. S'agissant de la constitution de la société anonyme, la loi distingue entre celle qui fait appel public à l'épargne et celle qui ne le fait pas. Donc deux catégories de sociétés anonymes. La première fait appel public à l'épargne, la deuxième catégorie ne fait pas appel public à l'épargne. La société anonyme qui fait appel public à l'épargne, c'est la voie spectaculaire de constitution. C'est-à-dire que ce sont les projets, les plus grands projets qui optent pour cette forme de société. Elle est destinée aux grandes sociétés et la société ne faisant pas appel public à l'épargne, c'est la voie intimiste. Un ensemble d'associés se rassemble pour créer une société anonyme. S'agissant des actionnaires de la société anonyme, elle est constituée entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. On parle donc de la responsabilité limitée des actionnaires en concurrence de leurs apports à la société. La société anonyme comporte au moins 5 actionnaires. Donc ici, on peut observer que le législateur a bien délimité le minimum légal d'actionnaires dans une société anonyme. Celle-ci ne peut pas commencer son activité avec moins de 5 actionnaires. La loi n'exige aucune capacité pour ces actionnaires. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la société elle-même qui est commerciale par la forme. Tant une personne physique qu'une personne morale peuvent être actionnaires. Dans une société anonyme, les personnes physiques comme les personnes morales peuvent être actionnaires dans cette forme de société. Concernant le capital et les apports dans la société anonyme, celle-ci doit être dotée d'un capital d'au moins de 300 000 dirhams si elle ne fait pas appel public à l'épargne et 3 millions de dirhams dans le cas contraire. Encore, on observe l'encadrement minutieux du législateur de cette forme de société. Un capital minimum exigé, aussi bien pour les sociétés qui font appel public à l'épargne que pour les sociétés qui ne le font pas. Dans cette société, seuls les apports en numéraire et en nature sont permis à l'exclusion des apports en industrie. Le législateur étant vigilant à cette question, il a tranché la question depuis l'article 1 de la loi 1795. Les apports en numéraire et en nature sont
autorisés. Par contre, les apports en industrie sont prohibés par cette loi. Le capital social doit être intégralement souscrit. Et toutes les actions doivent avoir trouvé preneur préalablement à l'immatriculation de la société au registre de commerce. Les apports en numéraire doivent être libérés lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le législateur, pour simplifier la libération des apports, il a échelonné la libération de ces apports, c'est-à-dire il n'a exigé que la moitié dans l'étape de l'immatriculation. La deuxième partie pourra être libérée par la suite. En ce qui concerne les apports en nature, ils sont intégralement libérés dès leur émission. Rappelez-vous du critère de l'évaluation de ces apports en nature qui doivent faire l'objet d'un PV annexé au statut de la société. La vérification de la valeur des apports en nature fait à la SA est prévu par l'article 24 et 25 de la loi 1795. Certaines formalités sont aussi exigées pour la constitution de cette société, y compris la souscription du capital social, ainsi que le dépôt des fonds. Donc, les actionnaires doivent apporter tous les fonds pour pouvoir collaborer à cette société. Il y a aussi une obligation de signature des statuts. Tous les actionnaires, soit en personne, soit par procuration, peuvent ou bien doivent signer les statuts de la société. Ces statuts aussi doivent désigner les dirigeants de la société. Après, les actionnaires fondateurs, ils doivent faire l'immatriculation de la société au registre de commerce. Après cette immatriculation, des mesures de publicité sont prévues pour la publication des informations de la société anonyme. La gestion de la société anonyme est un point crucial dans sa vie. Pourquoi ? Parce que le législateur, conscient de l'importance de cette forme de société, elle a conféré à ces sociétés le choix entre deux modes de gestion. Un mode avec un conseil d'administration, c'est la formule moniste ou bien la formule classique. Et un deuxième mode qui est formé de deux institutions qui sont le directoire et le conseil de surveillance, c'est le mode moderne. Donc, les sociétés anonymes ont ce choix qui n'existe pas dans les autres formes de société, c'est qu'ils peuvent opter ou bien pour la société anonyme avec conseil d'administration ou bien pour une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. La société anonyme a conseil d'administration. Ce conseil, il est composé d'un ensemble d'administrateurs qui sont au moins 3 et ne doivent pas dépasser 12 membres dans le même conseil. Par ailleurs, ce nombre d'administrateurs peut être porté à 15 si la société fait appel public à l'épargne. Ces administrateurs membres du conseil d'administration sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs doivent répondre aux conditions de nomination, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas faire objet d'incapacité. Exemple, une personne qui a déjà fait l'objet d'une déchéance commerciale ne peut pas être membre d'un conseil d'administration.
Les administrateurs sont aussi soumis à des incompatibilités. Par exemple, les notaires, les militaires ou commissaires aux comptes de la société ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration. Une autre facilité dans cette société, c'est qu'une personne morale peut être administrateur, c'est-à-dire qu'il fait partie du conseil d'administration. Elle est tenue de désigner un représentant légal dans ce conseil. Un autre avantage de la société anonyme, c'est qu'un salarié peut être administrateur dans le conseil d'administration si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. L'administrateur qui bénéficie de ce statut double doit faire la distinction entre les fonctions d'administration et les tâches d'un contrat de travail. Les administrateurs liés à la société par contrat de travail ne doivent pas dépasser le un tiers des administrateurs du conseil d'administration. Ce conseil d'administration, il a des pouvoirs qui sont très étroits. Il est investi de larges pouvoirs pour prendre toutes les décisions relatives à l'objet social au nom de la société. De ce fait, il désigne un certain nombre d'organes sociaux, il nomme et révoque aussi son président. Le conseil d'administration convoque les assemblées générales et fixe leur ordre du jour, parce que c'est dans ces assemblées que seront prises les décisions en relation avec la vie de la société. Il dresse aussi un inventaire des éléments de l'actif et du passif de la société. Elle adresse en plus à l'Assemblée générale ordinaire un rapport de gestion. En revanche, la responsabilité des dirigeants peut être appelée dans certains cas. Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance sont responsables envers les tiers et envers la société. Soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion. Donc ce sont des exemples de la responsabilité des dirigeants. Ces dirigeants, s'il s'avère qu'ils ont commis l'une de ces fautes, ils peuvent être poursuivis devant la justice. Leur responsabilité pénale pourra être présente aussi dans le cas d'un ensemble d'infractions qui peuvent être relatives soit à la constitution de la société, par exemple, la publication ou la présentation d'un bilan inexact, ce qui est une faute grave dans la vie de la société. Aussi, ces infractions peuvent être liées à l'assemblée d'actionnaires, exemple, le non-respect des dispositions régissant le droit de vote. Ces infractions peuvent être aussi relatives à la modification du capital social, par exemple, procéder à une réduction du capital sans informer le commissaire aux comptes. Elle peut être liée au contrôle, exemple, faire abstraction à la mission du commissaire aux comptes ou bien à la dissolution, par exemple, l'omission ou refus de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire pour décider s'il y a lieu d'une dissolution anticipée. La deuxième formule de gestion de la société anonyme comporte deux institutions différentes. On parle de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. Donc cette forme de gestion permet de mettre en œuvre les principes de la corporate governance. C'est la raison pour laquelle on parle du gouvernement de l'entreprise.
C'est ici qu'on assiste à la dissociation entre les fonctions de gestion et les fonctions de contrôle de la société anonyme. Le directoire, il est composé d'un nombre d'administrateurs déterminés par les statuts. Ils sont désignés par le conseil de surveillance. Ils sont tous des personnes physiques. Attention, les membres du directoire ne peuvent pas être des personnes morales. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires, c'est-à-dire des salariés. Ils peuvent être des salariés de la société et les membres du directoire ne peuvent pas siéger dans le conseil de surveillance pour ne pas chevaucher entre les deux missions de gestion et de contrôle. Comme tout organe collégial, le directoire fonctionne en délibérant. La loi émuette quant aux délibérations du directoire et renvoie au statut. Donc, ce sont les statuts qui déterminent les modes de délibération de ce directoire. À côté des statuts, il y a souvent un règlement intérieur de la société qui prévoit la cadence des réunions, les modalités de convocation, ainsi que celles de quorum et de majorité. S'agissant du statut du directoire, c'est le conseil de surveillance qui fixe la rémunération des membres du directoire. Aussi, un salarié peut devenir membre du directoire et vice-versa. C'est un avantage de cette forme de direction, à condition que l'emploi soit effectif et distinct de la fonction directoriale. Concernant les pouvoirs du directoire, il est investi des pouvoirs les plus étendus. Il exerce les fonctions de direction. Il arrête les orientations stratégiques de la société. Il convoque aussi l'Assemblée générale. Et seul le président du directoire a qualité pour représenter la société à l'égard des tiers. Donc ces pouvoirs, ils sont les mêmes que ceux du président du conseil d'administration. Quant au conseil de surveillance, deuxième institution dans la vie de la société anonyme, il est composé d'un nombre déterminé par les statuts, entre 3 et 12 membres et 15 en cas de société cotée. Donc chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. C'est dire qu'on ne peut pas affecter un salarié dans le conseil de surveillance. Pourquoi ? Parce qu'il exerce une mission du contrôle de la société. Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces membres ne peuvent être membres du directoire pour la même raison, pour ne pas mélanger entre les fonctions de gestion et les missions de contrôle. Le conseil de surveillance fonctionne sur le modèle du conseil d'administration. Il ne délibère qu'avec la moitié de ses membres. Le président est choisi parmi les membres du conseil de surveillance. Il convoque et dirige les débats de ses assemblées. S'agissant du statut du conseil de surveillance, c'est l'Assemblée générale qui fixe la rémunération de ses membres. Le cumul avec un contrat de travail est toujours permis et avec la même condition de la distinction entre les pouvoirs d'administrateur ou bien de membres du conseil de surveillance et les tâches d'un salarié. Le nombre des salariés ne doit pas dépasser le tiers du nombre total des membres du conseil de surveillance. Quant au pouvoir, il exerce le contrôle permanent
de la société anonyme. Il opère des vérifications qu'il juge opportunes dans la vie de la société. Il sollicite aussi la communication des différents documents de la société. Elle présente ses observations à l'Assemblée générale sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice comptable. Il a aussi de larges pouvoirs. Donc, il nomme les membres du directoire et fixe aussi leur rémunération. Il choisit le président du directoire et alloue les autorisations de vente d'immeubles de la société. Concernant le contrôle de la société anonyme, donc cette forme de société qui est souvent adoptée par les grands projets exige un contrôle continu dans sa vie pour pouvoir répondre aux exigences législatives et réglementaires. Le contrôle de la gestion de la société permet de délimiter le pouvoir des instances de gestion. Dans la société anonyme, on assiste à une pluralité d'institutions qui assurent ce contrôle. Donc, si dans les autres formes de société, on ne parle que de commissaires aux comptes, en présence d'une société anonyme, une pluralité d'instances effectue ce contrôle. Donc, le premier, il est effectué par les actionnaires. Les actionnaires, ils exercent leur contrôle, notamment au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Ils ont un droit de communication des documents sociaux. Ces actionnaires ont le droit de consulter les rapports des trois derniers exercices comptables et aussi les rapports des assemblées générales et des commissaires aux comptes si c'est nécessaire. Les assemblées générales ordinaires permettent aux actionnaires d'approuver les comptes par vote. Donc la consultation des documents susmentionnés permet de donner une idée claire sur la vie de la société. Lorsqu'on parle de la vie de la société, on parle de la situation juridique, financière, économique ou bien sociale de la société. Ce contrôle exercé par les actionnaires peut prendre plusieurs formes. Exemple, poser des questions écrites adressées aux assemblées générales, demander la convocation de celles-ci, demander d'insérer des projets de recommandation, demande de nommer un commissaire aux comptes, ou bien demande de désignation d'un expert de gestion pour les opérations de gestion qui ne sont pas claires. Ils peuvent demander la révocation des dirigeants et aussi ils peuvent intervenir dans la gestion en cas d'urgence. Un contrôle par la publicité des comptes. Donc il faut dire que la seule publication des comptes de la société d'une manière régulière constitue un genre de contrôle qui est fait par les institutions appropriées. Donc celle-ci est obligée de préparer le bilan, le compte et les rapports au greffe du tribunal dans le mois qui suit l'Assemblée générale ordinaire. Pour les sociétés cotées en bourse, c'est-à-dire celles qui font appel public à l'épargne, elles ont l'obligation de publier les comptes sur le bulletin officiel et aussi de publier le chiffre d'affaires et de la situation provisoire du bilan chaque trimestre. Comme on a vu tout à l'heure, le conseil d'administration exerce aussi une mission de contrôle dans la société à conseil d'administration. Aussi, dans la société à directoire et conseil de surveillance, ce dernier, il exerce aussi une mission de contrôle. Mais le contrôle le plus connu, c'est celui exercé par le commissaire aux comptes. Celui-ci est une personne
qui exerce une profession réglementée à titre libéral. Son rôle se résume dans le contrôle de la régularité des écritures des sociétés et la véracité de leurs constatations comptables. Parmi les missions du commissaire aux comptes, il a une mission d'information parce qu'il doit communiquer le résultat de ses investigations aussi bien aux dirigeants sociaux qu'à l'Assemblée générale ordinaire. Le commissaire aux comptes, il a aussi une mission de dénonciation lorsqu'il révèle des faits délictueux commis au sein de la société. Il a encore une mission de prévention des difficultés lorsqu'il révèle des faits qui peuvent arrêter, bien qu'ils peuvent compromettre à la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Ces commissaires aux comptes peuvent être responsables dans plusieurs cas. Ils peuvent être responsables civilement, pénalement et disciplinairement aussi. Arrivons à un autre contrôle qui est exercé par une institution qui est récente, c'est le comité d'audit. C'est un organe de gouvernance des sociétés cotées. Donc pour voir le degré de transparence de cette forme de société qui est la société anonyme, elle doit être dotée d'un comité d'audit. Il concrétise le renforcement des pratiques de gouvernance. Il contribue à la pertinence de l'information financière. Le comité d'audit aussi contribue à la fiabilité de la gestion des risques et de contrôle interne de la société. Et il a un rôle d'alerte sur les évolutions majeures constatées. Il est nommé, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il ne peut comprendre que des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance. Les membres de ce comité doivent présenter des références satisfaisantes en matière financière ou comptable. Ils doivent être indépendants. Les missions du comité d'audit sont le suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de la gestion des risques. Il a aussi une mission du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés et une mission de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. Un dernier contrôle qui est exercé par l'autorité marocaine du marché des capitaux. Donc il s'agit des sociétés cotées en bourse qui doivent être en relation par ce régulateur du marché financier qui est l'autorité marocaine du marché des capitaux. Cette autorité contribue au développement du marché du capitaux pour une meilleure protection des investisseurs. Cela se traduit par un marché qui dispose de la confiance des investisseurs, par une information disponible claire, simple et égalitaire, un traitement équitable et transparent des investisseurs et aussi par une régulation basée sur une approche risque. L'autorité marocaine du marché du capitaux s'assure de la protection de l'épargne investie en instruments financiers. Elle veille aussi à l'égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l'intégrité du marché des capitaux. Il s'assure du bon fonctionnement du marché des capitaux et veille à l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires. Elle assure le contrôle de l'activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle. Elle contribue à la promotion de l'éducation financière des épargnants et assiste le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux. Donc je récapitule l'ensemble des institutions qui contrôlent la société anonyme et plus
importants que ceux dans les autres formes de société. Et merci pour votre attention.